Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouveau vlog, toujours à Osaka. Aujourd'hui, on va à Kobe, c'est la première fois qu'on va s'y rendre, j'ai juste mais trop hâte. J'espère qu'on va déguster le fameux bœuf de Kobe, qu'on va quand même en trouver à un prix abordable, parce que j'appréhende un petit peu. C'est une viande qui coûte super cher. Pour ceux qui ne connaissent pas, la viande de Kobe, c'est une viande qui est, on dit, persillée. En fait, elle est assez grasse, ça fait des petits traits tout fins, blancs. Bon, de toute façon, je vous montrerai. Et ça a un goût vraiment... c'est fameux. Moi, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, parce qu'ils trouvent ça écœurant, parce que c'est un peu gras. Bon, après, on n'en mange pas des kilos non plus, mais j'avoue que moi, j'en ai goûté... bon, c'était à Akihabara l'année dernière, et j'en ai vraiment un bon souvenir. Même si la brochette m'avait coûté quand même 12 euros, et il y avait genre 50 grammes. Bref, on commence là, on va prendre le métro. On va ensuite prendre le Shinkansen et c'est parti pour cette journée de folie. Ok, on vient d'arriver à Kobe, on a mis 13 minutes avec le Shinkansen, autant vous dire que c'était vraiment très rapide. Et il faisait chaud à Osaka, mais là c'est un four, c'est vraiment un four. Il fait vraiment chaud, ça tape. Bref, allez, on continue. On voit les montagnes tout au loin là-bas. Du coup, ça change un peu le paysage, c'est chouette. Là, il y a le train. C'est marrant, il y a des... les licences, elles sont sympas. Il y a des petits sacs choupa chou qui sont trop mignons. Il y a même les boucles d'oreilles, c'est la première fois que j'en vois. Et les petits porte-clés. C'est marrant. Gyoza 1つ. Gyoza tanpin ne. Gyoza tanpin de. Arigato. C'est trop beau. Même l'accessoire. Ça fait bien envie. Hein. Monsieur Choco. C'est bon. Faut que t'attendes un petit peu tes gyoza. Ouais. Ah, il y a une petite chose en bas. Ah, c'est trop bon. Oh, c'est super bon. J'adore leur accessoire. C'est trop bon. Du soja. Oh.
je me régale. C'est fameux. Ouais, très bon. Un vrai délice. Hop. Oh, c'est quoi ça? Un râteau. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est chouette. C'est que ça. Toi aussi, t'en as? C'est fameux. La sauce des gyoza, elle est un petit peu pimentée, c'est super bon. Par contre, ils donnent pas de serviettes ici. On est au Doutor, c'est un petit café comme c'est comme Starbucks. Et là, Monsieur Choco, il a pris un melon glacé. Moi, j'ai pris du matcha latte. Alexandre, il a pris un cacao froid. Et Maxime, c'est pareil. Mais il est en train de déguster le sien, Max. Il est bon alors hein? Ouais. Alors, nous voilà de retour de notre journée de Kobe qui a été pas vraiment une réussite et pas vraiment un échec, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim, je suis un peu déçue parce que Alexandre s'est pas senti super bien, il avait mal au ventre aujourd'hui, il était vraiment pas en forme, donc on a dû écourter et en plus on a eu particulièrement très chaud, je ressors de ma douche à nouveau, on a eu vraiment très très chaud et je pense que c'était trop pour lui. Donc du coup, c'est pas grave, on y retournera, ce sera l'occasion d'y retourner, on a une autre ville à aller voir et en remontant, on pourra repasser à Kobe, parce que du coup, j'ai pas pu déguster le bœuf qui me faisait tant saliver, je suis dégoûtée. Mais par contre, on s'est arrêté dans un super restaurant où on a mangé tous les quatre, on était alignés, vous l'avez vu dans le vlog, je l'ai filmé, c'était d'enfer, une ambiance incroyable. Et il y avait deux petites mamies en fait qui cuisinaient devant nous, c'était un pur délice. Donc ça c'est vraiment un très très bon souvenir. Mais du coup voilà comment s'achève la journée. J'ai donc là moi je sors de la douche, j'ai Alexandre qui est dans le bain et j'ai les deux autres garçons qui sont partis faire deux trois petites courses au Life. Ils vont racheter des boissons fraîches et puis un petit truc à grignoter pour soir, un petit truc léger. Donc voilà
Du coup, pour la journée à Kobe qui a été vachement écourtée, mais c'est pas grave. Je me vengerai un autre jour, c'est pas grave. Bon, moi je vous laisse et je pense pas vous filmer les petits repas de ce soir parce que ça va être genre feuilles de salade et des petits gyoza. Donc, vu qu'on a très très bien mangé ce midi, voilà, il n'y a rien de passionnant. Donc du coup, n'hésitez pas à liker. Commentez un maximum, partagez cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui commentent mes vlogs, ça me fait vraiment très très plaisir, c'est super, vous êtes vraiment d'enfer. Et voilà, moi je dis à très bientôt dans un nouveau vlog au Japon et puis des recettes qui sont programmées, si je me trompe pas, tous les vendredis soirs à 18h. Allez, salut tout le monde! Bon, finalement, de retour du live, les garçons ont ramené des petites surprises. Et ça, c'est super bon. C'est des petits concombres marinés. C'est salé. Il y a des graines de sésame. Il y a, je crois, un petit peu d'huile. Et c'est tout bête. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est rafraîchissant. C'est bien croquant. Et bien sûr, la petite portion de gyoza qui va bien. Avec la petite sauce soja vinaigrée.